Peut-on voter un programme électoral? À l'heure où les partis politiques voient leur rôle de mobilisation collective érodé en faveur d'autres mécanismes politiques non conventionnels, la Fondation marocaine pour la bonne gouvernance a questionné l'importance du programme électoral comme élément d'instauration de la confiance avec les électeurs. Partant du principe de rompre les idées reçues selon lesquelles il serait vain de s'attarder sur les programmes électoraux en raison du manque voire de l'absence d'instruction et de compétences politiques de l'électeur, les panélistes ont exploré aussi bien la dimension politique que citoyenne du programme électoral. Principe fondamental de la démocratie et du libre choix de ses dirigeants, le programme électoral peut renforcer cette compétence citoyenne qui présidera au choix des élus et des partis et les porter aux commandes. FOMAGO, Fondation marocaine pour la bonne gouvernance, est une fondation-association qui traite deux sujets concernant la gouvernance et la démocratie, les deux étant étroitement liés. Nous avons un programme sur un certain nombre de questions d'ordre politique, d'ordre institutionnel, d'ordre compétence citoyenne. Le but, à travers toutes nos actions, c'est justement participer à la construction de la compétence citoyenne, la seule véritablement aujourd'hui, véritablement à co-construire ce qu'on appelle aujourd'hui démocratie et ce qu'on redéfinit par le principe de confiance. Alors, les conférences que nous organisons, en général, c'est toujours sur la base d'un sujet qui est précis. Nous le construisons sur la base d'un débat sur l'ensemble des parties prenantes, acteurs au niveau de la thématique et du sujet qui est construit. Et puis nous enclenchons par la suite, justement, cette, diffusion de la parole au niveau du terrain, de façon à avoir des plateformes en arrière-plan qui vont participer à la diffusion de cette parole. Alors je cite par exemple le collectif Transpur, c'était sur le sujet du transport public urbain. Aujourd'hui on a traité de la question du programme électoral comme étant un élément, comme on l'avait dit au niveau de la conférence, de construction du processus démocratique et politique. Et de quelle manière est-ce que la société civile, là encore une fois, à travers cette augmentation de la compétence citoyenne, peut participer à l'augmentation de la confiance vis-à-vis des partis politiques, vis-à-vis de la politique de façon générale, mais en y apportant sa propre œuvre, sa propre participation. Lisibilité, compréhension et surtout fidèle application de ce programme électoral comme gage de confiance sont autant de thématiques débattues lors de cette rencontre abritée par l'école HEM Casablanca et organisée en partenariat avec ecoactu.ma. Pour suivre toute l'actualité d'ecoactu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.